Bonjour, il nous fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui à Chapin. Je suis le maire de la municipalité, donc on vous souhaite de passer une belle journée chez nous. L'automne dernier, nous avons fait un colloque sur le développement de notre municipalité et qui incluait à l'intérieur de ça Chapin, ville verte. Le but de ça, c'était de s'assurer, par exemple, que tout le développement économique qui se faisait, le développement social, soit vert, soit durable, au niveau de nos entreprises aussi. L'usine thermique à Chapin, qu'on appelle Chapin Énergie, s'est débutée en 1994 à partir de nos séries qui utilisaient une bonne quantité de forêt et que le déchet était brûlé dans une enfer qui créait beaucoup de problèmes. Donc, on a pensé, nous, ici à Chapin, à faire une usine qui permettrait d'utiliser ça et de créer un avenir économique intéressant. Et c'est ce qui est arrivé. L'usine de Chapin, présentement, utilise toute la biomasse forestière qui est disponible. Et ça crée quand même 48 emplois. Et on produit 27 mégawatts qui est vendu sur le marché Hydro-Québec. 27 mégawatts, ça veut dire que demain matin, par exemple, on avait un problème d'Hydro-Québec important. Pourrait fournir l'énergie présentement à Chapin et à Chibougamau.